Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Arma 3 et je vais vous montrer comment gagner de l'argent super facilement sur le serveur Altis Live de Athena 2. Donc c'est parti. Voilà. Une fois que vous, vous avez fini le téléchargement, vous devez spawner à Sofia. Donc vraiment bien suivre mes instructions jusqu'au bout. Donc vous spawnez à Sofia. Donc voilà, vous spawnez à Sofia. Bon, moi ça lag un petit peu, c'est normal. À chaque fois que je me connecte, ça lag un peu. Voilà. Une fois que vous êtes à Sofia, je vous conseille d'aller faire le plein dans votre inventaire. Genre de... Si vous avez un toolkit pour réparer les voitures... Il faut avoir un sac, déjà un sac vraiment qui vous permet de stocker pas mal de choses. Une arme aussi pour vous défendre de temps en temps. On sait jamais qu'il y a des personnes qui veulent vous braquer sur le serveur. Une fois que vous avez tout ça, je vous conseille de prendre le plus gros camion que vous avez dans votre réserve. Pour ma part, ce sera un très gros camion. Mais bon, vous pouvez l'obtenir vraiment après pas mal d'heures de jeu. Donc je vais vous le montrer tout de suite, c'est le plus gros camion, on peut stocker le plus de choses je crois. Donc comme vous voyez on est ici, donc voilà, on est juste là et on va se rendre là. Donc voilà, je vais juste vous montrer le camion que j'ai pris et après je vous fais une petite coupure. On se retrouve sur la route directement et après je vous montre comment ça fonctionne le reste. Donc voilà, vous devez prendre un véhicule, moi je vais prendre le, voilà, celui-ci. Voilà, c'est le plus gros camion, c'est le plus utile et le plus performant pour la capacité. Donc c'est parti, on va mettre, on va monter dans le camion, mettre nos boules qui est. Bon, on est parti, let's go. Voilà, donc je vais juste baisser un peu le son. Voilà, une fois que vous partez d'ici, c'est très simple. Vous prenez la route juste à gauche. Une fois arrivé au stop, vous prenez la route à droite. Donc je vous montre un petit peu comme ça. Vous pouvez voir un petit peu dans votre tête. Puisque bon, moi ça me prend pas mal de temps à mémoriser les routes. Et ici je la connais maintenant par cœur. Donc une fois que vous arrivez ici au carrefour, vous prenez à gauche. Et c'est tout droit jusqu'à une pompe à essence. Donc vous faites une ligne droite. Donc je vais vous montrer. Vous faites la ligne droite qui est là. Donc voilà. Toute la ligne droite qui est là jusqu'à la pompe à essence. Et moi je le dis à tout de suite parce qu'on se retrouve à la pompe à essence. Voilà, juste avant d'arriver, je vais vous donner un petit conseil. Quand vous êtes avec ce camion, souvent vos touches prédéfinies sont ZQSD, donc pour avancer c'est Z. Mais moi je vais vous donner une astuce pour avoir beaucoup plus de vitesse. Donc vous voyez là, je suis juste mon doigt sur Z et maintenant j'ai juste appuyé sur la flèche de mon pavé numérique et regardez combien je vais augmenter. Voilà, pratiquement de 10 km/h, c'est un genre de boost. Donc voilà, si ça a pu vous aider pour aller un peu plus vite parce que c'est des fois c'est un peu long en camion. Donc voilà, on se retrouve direct à la pompe à essence, à tout de suite. Voilà, nous sommes plus très loin de la pompe à essence. Donc elle, voilà, elle est juste devant nous. Donc on va ralentir un petit peu et on va tourner. Donc faites attention qu'il n'y ait personne derrière vous quand vous tournez parce qu'il faut quand même prendre large. Donc voilà. Donc voilà, re tout le monde, on se retrouve pour l'avant-dernière partie de cette vidéo. Donc voilà, je viens de charger le camion, je l'ai placé sur la route. Donc vous voyez, on était juste là, nous en fait, hein, juste en face. Et donc vous voyez, je vais vous montrer, le camion est rempli à fond. On a les artefacts sur nous. Et voilà quoi. Let's go, je crois qu'on est bon, on est paré pour aller directement sur le chemin. C'est parti, on y va. Let's go. J'espère qu'on va pas tomber sur des rebelles. J'ai vraiment pas envie qu'on me pille toute ma cargaison. Parce qu'il faut faire quand même vachement attention à ça. Donc c'est parti, on y va. Allez, let's go. Donc suivez bien le chemin. Donc je vais remontrer vite fait la carte. Donc nous on est là, ok. Et on va devoir aller là. Donc vous faites là, vous prenez la route qui est là et vous montez, vous êtes directement là. Donc c'est parti, on y va. Comme je vous ai dit, il faut vraiment qu'on fasse grave attention qu'il n'y a pas de rebelles. Parce que s'il y a des rebelles, ils peuvent me piquer toute ma cargaison. J'ai vraiment pas envie. Parce que bon, vous voyez, on vient de faire ça fait pratiquement 15 minutes. Parce qu'il faut à peu près 15 minutes pour choper tout dans le camion. Donc on va essayer un max possible de pas se faire choper par les rebelles.
Let's go. Bah, je vais faire le trajet avec vous, les gars. Comme ça, on voit un petit peu. C'est parti. Ah, voilà. Ben, en gros, le serveur, il est vraiment cool pour se faire de l'argent. J'ai jamais vu un serveur qui était si facile. What the fuck? Eh, comment c'est qui me tire dessus, eux? Vas-y, vite, on fonce. Oh, putain, il va me crever les pneus. On fonce. Putain de merde. Ah, putain, il m'a crevé un pneu. Putain, il m'a crevé les pneus, l'enfoiré. Je suis bloqué. Je peux rien faire. Oh non, putain, ils vont me braquer. Non. Oh, sérieux, putain. Bon, bah, les gars, on va se faire braquer. Dégo, je vais descendre. Putain, je vais devoir leur donner 50%. 50%, alors, à vrai dire que je devais me faire un... Ouais, je vois jusqu'où il faut que j'aille. Ok. Je vois où il faut que j'aille, t'inquiète. Faut pas que je dise que c'est la première fois que je traite là, parce que si je... il voit que je traite plusieurs fois là, il va me demander encore plus que 50%. Donc, on va regarder d'aller, oui, doucement, tranquille, hein. Oh ouais, putain, là, ça... Ah ouais, là, ça chamboule tout le plan, par contre. Oh ouais, il me dépose, ouais. J'ai trop envie qu'il se prenne un caillou et qu'on peut pas buter son pote, tu vois, ce serait trop marrant, mais là, on peut pas. Surtout que là, maintenant, on va dans leur base, encore pire. Donc là, je vais m'enfermer chez eux, donc dans leur propre base. Ça, y a pas pire que ça. Donc là, comme vous voyez, j'ai 875$ sur moi. On va traiter, donc je vais traiter pendant toute la vidéo. Je vais faire une petite coupure, hein. Je vous mens pas que je vais faire une coupure. Et je vous montrerai quand je vous donnerai aux rebelles et combien on aura gagné avant de les donner aux rebelles, hein. Donc ça va être direct. Votre ami passe avant ou pas? Votre ami passe avant? Bon, d'accord, je passe. On va... Donc ici, pour rentrer, c'est très compliqué. Vous voyez, il faut vraiment faire, hop. Voilà, comme ça. Voilà. Ici, il faut vraiment aller délicat. C'est bon, ça passe. Let's go. Voilà les gens, on est arrivé à la base, donc je vais vous montrer comment... Enfin, c'est là qu'on traite, hein. Je vais pas vous parler, ce qu'ils là, ils vont me parler, à mon avis, ils vont me demander de l'argent. Donc on se retrouve tout de suite quand j'aurai tout traité, pour vous montrer combien on se fait d'argent. Combien on se fait d'argent, et à tout de suite les gars. Ouais. Comme vous pouvez apercevoir, je suis en train de traiter, ils sont en train d'arnaquer un mec. Donc voilà, je suis déjà à 259 000 et j'ai traité pas énormément, hein. Regardez, il me reste encore 98. Donc retenez. Donc là on est 259 000. Et là je vais en traiter vite fait. Voilà, je vais traiter. Et on va voir combien ça rapporte. Donc, on était à 259 000. Vous voyez, ça fait vraiment la différence, hein. Donc je vais traiter. Et ben, je vais donner la rançon qu'ils m'ont demandé. Et en échange. Ok. Ok, ben let's go. On se retrouve tout de suite après les gars. Bah c'est déjà ça, c'est que tu rentres déjà. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle aura pu vous aider pour faire blinder d'argent. Donc comme vous pouvez le remarquer, nous sommes fait 1,5 million de dollars en moins de... Je sais pas, allez, j'ai raccourci la vidéo, donc en moins de 30 minutes, même pas 30 minutes. Donc je voulais vous mettre dans le menu comme ça d'accueil pour vous montrer. Donc le serveur c'est Athena RP, Altis Live Start de 25K non modé. Il y a un modé qui va arriver, donc je vous invite à fond à aller dessus. Donc vous voyez, on est 11 sur 144, mais bon, c'est... Il est que 16h aujourd'hui et il y a un petit peu moins de monde parce que c'est les vacances. Donc je vous invite vraiment à aller en masse sur ce serveur. C'est un super serveur. Moi, je passe ma moitié de mon temps sur Arma sur le serveur puisque voilà, on a un public qui est toujours super cool. Il y a de l'action et les admins sont toujours là pour nous aider si on a besoin. Donc c'est vraiment un super serveur. Je vous le conseille à tous, à toute la communauté qui joue avec moi et qui fait énormément de Arma.
Allez tous sur le serveur, ça me ferait vraiment plaisir qu'une fois on se fasse un petit rassemblement. Mais pour le rassemblement, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!